Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec les Graou du Nord. Salut tout le monde. Salut. Erdarin, Slan et Broudaf. Et oui, même Broudaf. Ah, yep, je relâche la pause, ça y est, tu peux lancer ton assaut. Bah, il s'est lancé tout seul du coup. J'étais même pas sur l'écran. Non, mais c'était 31 000 hommes contre 3000 indigènes. J'étais pas très inquiet. Pas se mentir. C'était ça le truc que tu nous as teasé. Ah bah c'était un jour avant l'assaut. C'est une opération de police. C'est une opération de police, c'est pas un assaut. C'est clair. J'ai rien teasé, j'étais en train de regarder mon armée avancer et bim, t'as mis pause. Tellement de forteresses à prendre chez l'Autrichien, ça va être chiant. Il va aller mettre une petite baffe. L'Autrichien, t'as pas forcément besoin de prendre plein de trucs, hein, parce qu'il est à deux doigts de faire la paix. Hein. Ah non, il veut plus maintenant. Ça ira un peu plus vite. Un stack wipe. Joli. Parce que là, faut se bouger. Stack wipe une troupe quelque part. Allez, on va aller chercher ses troupes. On va prendre ça parce que. Non, actuellement 83. Merde, je peux pas l'annuler. C'est embêtant. On va ranger ça en haut. Palatina. Puis on l'acceptera plus tard. Encore un stack wipe de troupes, ça exagère. Hein. Palatina, il doit pas être chaud pour la paix, à mon avis, parce que j'ai encore rien pris chez lui. Hop là. Donc lui, il est tout pris, mais ce qu'on voudrait, c'est prendre des trucs chez eux, là. Nice. On va continuer encore. Ça s'est converti. C'est pas de la bonne religion, mais je pourrais pas le convertir avant 1623. Ouh, c'est pénible ça. Merde, mon impératrice! C'est parti pour la législation. Plus de PU, ça y est. Alors. Tiens, la PU, chose. Elle est pas encore faite, si, c'est toujours le. Ouais, union personnelle avec le Portugal. En cas de décès. Et puis c'est Louis XVI, il a pas duré très longtemps, Louis XVI. Non. On va lui couper la tête, mais enfin là, il a quel âge? Il a 200 ans d'avance quand même. Encore un stab en moins. Ouais, non, mais ça commence à bien faire là. Moi, je commence à devenir instable. Toi, t'as réussi à monter au-dessus de zéro pendant toute ta partie là. Non, bah oui. Heureusement. Il manquerait plus que ça. Ça, c'est terminé. Parfait. Bien. Qu'est-ce que je tape maintenant? Je tape tout ce qui bouge, quoi, en fait. Tout simplement. Ça me paraît logique. Quoi s'embêter? Alors la Toscane, hop. Elle veut pas sortir. Le Palatina, il est en moyen. Il veut pas sortir. Pas mettre ça, c'est dommage. Toc. Ah, 30, faudrait peut-être que j'aille laisser vue. Toc. Toc. Au boulot. On a un marchand de libre. Tiens donc, qu'est-ce qu'on va en faire? L'efficacité commerciale, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ça? Je commerce avec personne. Reprenons ici. Bon. Alors, faudrait que je prépare ma paix avec la Hongrie, peut-être. Alors, j'ai le droit à combien? 28? Non, j'ai le droit à 88. Mais si je prends 88, ça va peut-être piquer un peu. On va essayer de l'envoyer par en haut. Allez, arrive. Oula, venir jusqu'ici, c'est ouf ça. Moi, je ne veux pas de coalition dans l'Europe. Ok, parfait. Ouais, on je vais prendre là, trois fois rien nickel. Là. Ça va nous faire. Mais je peux rien prendre en Hongrie. Ces trucs là. Ils sont tous en quoi? À ce point-là. Bah oui. Je prends trois provinces et ça y est, c'est la quoi? C'est dingue. C'est surprenant. Comme si ces gens ne t'aimaient pas. Bavière à Tisbonne 30. Voilà, parfait. On va prendre un peu là. Mais Par contre. Ah, c'est beaucoup trop. Ouais, ça. On est presque. Nuremberg, Bavière 30. T'as des gens dont il faut faire des trucs ou pas?
Là, je peux signer, hein, pour le peu que je peux prendre, je peux signer. Alors, il y a des PF. Bah, 30, ce serait bien. Il y a des jeux. Ah, il faut convertir 30, c'est ça? Ouais. Alors, du coup, okay. Faut longer la capitale. Je vais faire ma paix, alors. Tu peux faire une paix séparée aussi avec le Palatinat, si tu veux. Mayence, c'était une bonne chose aussi. Pas ça, du coup. Et donc, il y a 30 à convertir, hein, c'est ça? Ouais. Mais on peut prendre ces deux trucs là. Bah j'ai pas le droit. On peut pas prendre ces deux trucs là. Pourquoi t'as pas le droit? On me le propose pas. Bah écoute, on va prendre la thune en échange. Allez, go. Ah oui, il est catholique. Bah oui, donc tu peux faire ta paix. Je peux faire ma paix. Alors, j'ai l'impression qu'il reste plus que un seul foyer de la réforme en Europe. C'est une très bonne chose. Et ça, c'est propre. Ouais. GG. J'ai bien fait mon taf. Alors, tac, 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 ça c'est bon. Tout appartient. Tout est à moi. On a 97, bah, il veut pas. On planter. On a finalement, si je prends tout à l'est, ils s'en foutent. Donc du coup, ils veulent pas. Il y a des gens qui mettent pause et du coup, je peux pas faire mes paix, quoi. C'est insupportable. C'est pénible. Ah ouais, c'est pénible. Hein. On est bien d'accord. C'est très très pénible. Peut-être un petit assaut là. Venez par ici, vous. Vous pareil, venez là. Donc il reste Menigen, 30, Toscane et Jeanne. Ah oui, j'ai oublié de ces Jeanne. Tiens, arrête-toi là. Bah. Ah, j'ai remporté Florence. Et vous tous. Un endroit. Voilà, ici, ce sera parfait. Quoi? En avant. Florence, on lui prend une province, il veut pas faire de paix. Ah, il y en a quelque chose de disponible, ça y est. Est-ce que je suis en guerre contre lui? Voilà. C'est parfait. Quoi le siège de Maros? Alors, une idée. Le moins cher. On l'a eu. C'est par coup qu'il faut qu'on trie. 2, 3, 4 et 5. C'est parti. Perte de 2 en stabilité. Oh, carrément? Ça rigole pas, dis donc. Oh. Ah, je suis à moins 1 là, ça y est. Je peux donner le John Poor comme rival, tiens, parfait ça. Allez, c'est bon. Dernière troupe de du Hongrois, stack wipé, il a plus d'armée. Genre, on est à 115% de surexpansion, quoi. Monsieur. Allez, on va tout de suite se lancer. Ok. Par ici. Tac. Bon, bah là c'est fini, je pense. Quoi, le Hongrois il veut pas faire sa paix? Ah, j'ai récupéré 30. Alors maintenant qu'on a ça. Alors ici on a un peu juste, malheureusement. On peut faire ça. Alors, Jeanne et Menigen. De 1%, c'est pas mal. Hongrie veut pas céder là. Prends derrière. On confisque. Ok. Les bourgeois qui sont tellement fidèles. 79% de loyauté. Les commandants qui me quittent. Non, ne pars pas. C'est pas grave, je reprends quand même des 3 étoiles. Pourquoi il me propose des alors, points là? Toi, pourquoi tu t'es arrêté? Va ici. Caféi. Diffusion du caféi. Ah bah écoute. Bah oui. Très bien. Attends, c'est un peu merdique de devoir faire tout le tour. Il va falloir taper sur ces gens là. On a une trêve avec eux? Non. Ouais, on va se détendre un peu quand même. Moi j'augmente des bâtiments dans le loot. Ici, hop. Merde, excuse-moi, Pays-Bas, j'avais pas vu que tu voulais des troupes. Je m'excuse.
Bon, ça traîne cette guerre là. Ouais, je trouve aussi. Hein. Elle est pas finie votre guerre, sérieux. Non, il veut pas faire de paix à part. Bah, qu'est-ce que vous branlez? Gênes et Meiningen, bah on s'y est pris un peu tard. Hein. Voilà. Bah, Gênes, ça va tomber, mais Meiningen. Ah bah il est plus là, il est parti. Si le... D'accord. Ça, d'accord. Le Teuton, il fait autre chose. Le Teuton, il refait ses réserves militaires parce qu'il en avait plus. Oh. Sérieux, j'arrête pas de les dépenser dans les bâtiments, moi. Hey, mais toi, tu fonctionnes qu'au coup de mercenaires aussi. Hein. Puis bon, vu ce qui reste assiégé. Ouais, que la Bourgogne se fasse défoncer, ça me va, hein. Ça la rend plus fidèle. Ah, c'est ça! Bah, t'aurais dû me dire qu'il y avait la Bourgogne à aller dessiéger. J'aurais envoyé du monde. Oh, on s'en cogne. Bah, ça aurait permis de. Ouais. Derrière, bah, elle aurait pu se refaire assiéger, quoi. La paix serait faite depuis longtemps. Je me demandais pourquoi il voulait pas. Pourquoi qu'il signe pas. Bah, la plupart des provinces, elle lui file plus zéro. Toi, t'es coincé. On va où il est en faible, hein. Pourquoi il veut pas signer? Parce qu'il est qu'à 73. Il a fait le relou. C'est bien. Et tu lui demandes un 99, c'est ça? 91, 14, un truc comme ça. Et forcément, il va pas. Une aptitude peut-être achetée, mais on s'en fout, non? Ça va se terminer de toute façon. Ah, je vais remporter un siège. Je vais peut-être essayer de pas les sortir à part. J'ai remporté quel siège? Ah, le fumier, il y avait un truc ici. Putain, alors là, j'en ai pourtant pas la moindre idée. Mais moi non plus. C'est ça le truc en fait. Je sais pas trop ce qui se passe ni où. Parce que vu ce qu'on siège, il n'y a aucun endroit où il y a un siège qui est tombé. Ah si, c'était va être Avignon. Oui, c'est ça, c'est raison, c'est Avignon. On est d'accord qu'il n'y a pas moyen de récupérer une terre d'une colonie. Hein. Non. Ah, fin de la guerre des paysans. Mais tu te fous de moi? Putain. On est en trêve du coup. Même pas. Oh, ils tiennent bien tes mercenaires face aux troupes régulières. Non mais sans blague. Ah oui. Je défonce tout. Hein. Je vois ça, je vois ça. Ils ont 2-3 petits boosts. Je rêve. Des chouïa quoi. Il faut débarquer. Vous embarquez. Oups. Ça a wipe. Ah, j'ai remporté Connie, donc Gênes il va pouvoir sortir, mais stop. Je vais en profiter pour faire une paix globale plutôt. Oui bah oui, avec 95, ça serait mieux. Ça c'est fait. Parfait. Parfait, parfait. Alors, ensuite, il y a Loirat qui est en train de se faire défoncer par la Transoxiane. Et le Ming s'est porté garant de Loirat. Allez, débarquez là-dessus. Bah, il va se faire démingifier alors peut-être. Oh, c'est un joli Yarkand hein, qu'il y a. C'est pas impossible. C'est mon rival. Non, c'est mon. Il est dans ma coalition, le Yarkand. De toute façon, quel pays ne l'est pas, quoi, par nous. Et encore. Il y a le Chili qui est pas dans ma coalition. C'est vrai, tiens, je pourrais rentrer dans la coalition contre toi. Oh, sûrement. Non. Je pense pas. Pas vraiment. Je l'ai quasiment jamais fait. Ah, oh, j'ai fait des bêtises. C'est dans le coin, non? Intégré. Si tu rentres dans la coalition contre Slan, Slan rentre dans la coalition contre toi, et là... Pourquoi qu'il y a pas... Oups. Il n'y a plus de coalition contre moi. Ça va péter de partout, c'est à la première qui pète. C'est fini, il n'y a plus de coalition contre moi, les gens m'aiment. Et du coup, il n'y en aura pas eu non plus contre moi, alors que je m'étais pris un bon petit 75. En même temps, vu ce qu'on leur a mis dans la gueule, j'ai des trêves avec quasiment tout le Saint-Empire maintenant. Ouais, je pense qu'ils sont pas hyper chauds, en vrai. Ouais, attends, ouais. Tu vas t'ennuyer. Non, non, non. Je vais bientôt...
pas de caisse bénite, on avait un tout à l'heure, non? Non. Faire d'autres choses à la place. Tiens, je peux commencer à convertir au mutz. Parfait. Et je vais exiger l'annexion de l'Ouzbek. Pourquoi il veut pas là? Ah, t'es comme ça, toi, t'exiges. Ouais, j'exige. Je veux, ordonne, ils exigent. Atelier. C'est mon atelier en Sévra. Plus on le défonce, qui d'autre? Ça peut être en Sévra, tiens, c'est là. Bien, on va pouvoir dire au revoir au moins 6. Mitra rejoint la coalition. Bah oui, je savais. Je le savais! Bon, pas grave. Tu fais quoi, toi? Tu te bouges? Bien, si je me reprenais un petit coup d'inflation, pour faire plus là, je rêve. De thunes. Quoi, une révolte? J'ai pas besoin de lancer des trucs ici. Zut. J'avais oublié qu'il pouvait y avoir des révoltes. Tout le monde est tellement calme depuis si longtemps. Pas très normal tout ça. Ouais, toi, tu vas pas y arriver. C'est beaucoup trop calme. J'aime quand c'est un peu plus moins calme. Hop. J'ai vraiment, vraiment pas du tout de point de mine. Hein. C'est pas possible d'être pauvre comme ça. C'est quoi ça? Ouais, moi c'est pareil, je manque. Putain. Je fais combien? 10? Ah bah tu m'étonnes que je suis dans la galère. J'ai quoi comme dirigeant là? Ah, 2, 6, 4, bah tu m'étonnes. Ils me tapent que des dirigeants pourris. Ici, on a terminé. Hop, les bateaux, vous rentrez, vous vous embarquez. Voilà. Attends, on a plus rien pour débarquer. Abusé. On s'en fout. C'est quoi ça? Nous devons céder face à la noblesse, mais t'as vu ça où toi? Allez, on est reparti en guerre! Tu dois céder, tu dois céder! Non, 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 débarrassons-nous de ce traître, rien à foutre! Viens. Je rêve! C'est le jeu qui rêve! Pourquoi le Chagatai il est dans la coalition quoi? Il fait un pays, pourquoi il nous emmerde? T'as toujours pas fait la paix avec tes corsaires? En fait, si. J'ai fait la paix avec eux. J'avais tout repris, ils avaient disparu. Que du coup, il y avait 2000 hommes qui restaient de leur armée qui sont devenus rebelles. Je me suis dit, bah, il va bien rentrer s'en occuper, le mec. Ouais, ils viennent perdre un territoire, justement. Ouais, mais en fait, il s'en est pas occupé. Du coup, ils ont recréé la République corsaire en reprenant les Bahamas et le petit bout qu'ils avaient, quoi. Ils sont toujours en guerre, hein. T'as pas fait la paix. Hein. Non, non, j'ai relancé une guerre, là. J'ai relancé une guerre pour les défoncer. Parce que, justement, on avait fait la paix et qu'ils se sont libérés tout seuls. Comme des grands. Parce que l'autre est pas venu défoncer les rebelles, quoi. C'est le feuilleton. Ah non, mais c'est une blague. Oh, elle est dure, ta vie. Ah ouais, non, mais les mecs sont mauvais, quoi. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Là, par contre, c'est problématique. Bon, bah finalement, le Ming, il a pas voulu venir dans la guerre pour aider l'Oirat. Donc le Ming, il est un peu dans la dèche. Ouais, c'est probable. C'est honteux tout ça. Là, j'ai un peu de corruption. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Yarkand pour l'améliorer? Ça c'est une colonie. Ouais. Gouvernance. Bon, non, il y a déjà ce qu'il faut. Reste là, toi. Du coup, les nobles font la gueule, et bah tant pis pour vous. Et je l'ai converti de force. Mon vassal, Kazakh. Il redeviendra fidèle plus tard. Je devrais pouvoir mettre un marchand. Perds un peu des sous.
Ce qui n'est pas normal techniquement. Peut-être. On va mettre là. Ah oui, du coup. Là. Ok, ça c'est fait. Allez, go les gars. Il y a des gens à piétiner. Et hop là, je me suis lancé une guerre contre Chagatai et Delhi. Parce qu'ils ont eu le mauvais goût d'aller occuper des territoires à moi. Est-ce que tu vas le manger, Chagatai? Ah bah de toute façon, il vient de sortir de la coalition. Voilà, cette fois, lui, on le défonce, les rebelles. Ça va être compliqué de le manger parce qu'il a quand même une partie de son territoire qui est loin de moi. Hein. Il y a un peu la transoxiane entre les deux. Ah oui. Et t'attaques toujours pas la transoxiane? Ça sera juste après. Ok. Donc c'est toi qu'on met là, mais on a quand même pas mal perdu ici. Il va falloir qu'on regarde qu'on peut faire. Bon. Marine, Yémen. Allez, go. On va aller voir ça d'abord. Là j'ai pas de casus, là j'en ai pas. Là j'en ai pas. Ah mais j'ai des casus belli sur personne là-haut. Scandale. C'est quoi cette blague? Scandale. La transoxiane est en guerre contre le Ming. Qui c'est qui est en guerre contre le Ming? La transoxiane. Ah, la transoxiane. C'est pour ça qu'il a pas voulu venir dans ta guerre. C'est fort possible. Il avait trop peur. Il avait les foisses. Allez hop. Allez, défonçons un peu. Voilà. Quelques. C'est l'absolutisme, il faut arrêter d'apaiser. Ah ouais, maintenant il faut taper les bouches. Ouais. Ah, j'ai remporté une guerre de religion, yay! Yeah, je crois que j'ai jamais apaisé de cette partie. Si, peut-être une fois. J'ai que deux trucs, je suis même pas empereur de Chine! Alors, du coup, ici. Oh merde. C'est géré, on se replie. Il y avoir 90 en absolutisme, ça va être super facile quand on est une république. Ah là, je suis limité à 34. On est où là? Oh. Ok. Moi, je suis à 59. D'absolutisme? Non, je suis limité à 59. Ah! Moi, je suis limité à 94. 44. Et ça, c'est combien? 64. 49, ça va pas être terrible. Faire sûrement une petite réforme. Deux petits trucs, je peux remonter jusqu'à 69. Faisons ça. Alors, je peux convertir Trieste. Ah, toi, tu vas là par contre. Je toi perds aussi. Un de stab ou 2400. Bon, on s'en fout de 2400. Alors, dans cette guerre, il y a qui? Vous. Qui vous êtes? Et une régence pour moi. Non! Tu devais pas avoir une PU? Ah, il est en guerre. De toute façon, la France est en guerre dans les colonies, donc. Saleté. Il ne peut y avoir de PU à sa mort. En même temps, il va pas forcément mourir tout de suite. Oh non, mon scientifique, il est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant ce temps-là, le Scandinave colonise la Sibérie. Bah ouais, c'est important. Il reste dans le froid. Ouais, franchement, tu t'occupes de l'Oirat, ouais. Je suis pas chiant, hein. Juste de le faire, lui. Pourquoi les gars, ils meurent comme ça, là? Pourquoi on n'a pas le droit de passer des techs militaires? Parce que t'as pas ce qu'il faut. Oh, c'est chiant. Allez hop, c'est parti. Vous aussi allez assiéger des trucs. Et à côté, on va aller casser des bouches. Casser les. Et Georges ? C'est un peu l'idée, ouais. Ouais. On est en guerre contre eux ? Ah oui. C'est la capitale, ça ? Allez, nouvelle tech. Ah ouais. Efficacité administrative, coût du dev, 250 de capacité de gouvernance. Ça va faire du bien, ça, j'en manquais.
Établir les écoles dominicales, puissance démissionnaire plus 1. Bah écoute, hein, je vais te dire, je n'étais que à 17,5. Pourquoi se priver? Trieste va se rebeller quand même. Allez. À un moment. C'est à quoi et qu'on avance. Allez, toi, tu rentres à la maison, t'arrêtes de prendre de l'attrition. Ce serait bien si t'allais là. Navire ou quoi? Ah oui, il reste plus que ça en fait. Ils ont un petit peu douillé les Iroquois. C'est cool, c'est ragu. Ça va là-dessus. Allez, on va préparer la prochaine baston. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, hop. D'accord, elle a disparu. Elle s'appelle Christos. Il se passe tellement de trucs partout. Bah voilà, elle est là. C'est la course. Venise. Allez hop. Non, c'est pas Venise. Mets ton FSC. Non. Fais pas ça. Bon, finalement, ouais. Je vais peut-être faire disparaître le Chagatai. Oh, quelle brutalité. Bah, c'est plus joli. Est-ce qu'on peut améliorer ça? On peut améliorer ça. Est-ce qu'on peut améliorer ça? On peut améliorer ça. Vous êtes qui? Vous êtes tout là-bas? Ok, ça vous amuse. Bien vu. Presque fini d'intégrer mon vassal au pôle. 90,9%. Ouais, je suis loin pour ma série. Le Lolland, on peut le reconvertir. Polymathe vénitien. Eh oh, on se calme, hein. Non, j'améliore mes relations avec toi. J'espère bien. J'aime pas les transfuges. Putain, mais c'est tellement loin d'aller chez Delhi. L'Afghanistan, ouais, tu m'aimes, l'Afghanistan. L'Afghanistan, je suis sûr que tu m'aides au point de me filer un accès militaire. Toc, toc. Et baisse de la demande des draps, youpi! Voilà. Tu méritais pas mieux. De toute façon, tes draps, c'est de la merde. Mais t'es chafouin, mais... Marine! Je suis taquin! T'essayes de l'outrager, c'est ça? C'est ton nouveau rival? Oui, je veux le loutrer. On va transformer le portugais en loutre. En loutre. Pour le loutrager. Si j'attaquais Ardalan, qu'on fasse 5 points sur notre colonie après. Ah, ça entraîne Hormuz et Multan. Allez, 42%, ça peut tomber. Tellement non. Bon. C'est l'épidémie, ça fait toujours plaisir. Bah, on va faire autre chose. Attends, mais il y a des gens qui sont attachés. On va faire autre chose. On va faire une autre stratégie. On peut prendre l'institution. Donc, on va virer ça. D'accord qu'on n'a pas d'édit qui traîne. Ah bah voilà, alors les Iroquois, vous lâchez l'affaire ou pas? Bah ouais, voilà, on est d'accord. Là on envoie là ou pas? La Perse a rejoint la coalition, tiens bah c'était le temps que j'hésite. C'est un OPM la Perse. Oui c'est. J'hésitais à la cocher dans ma guerre, mais maintenant je veux pas la cocher. Hop. Chat. Là, je me calme un petit peu.
J'attends la trêve avec l'ascense Oxiane pour l'attaquer. Pour éviter qu'elle ne rentre dans la coalition. J'ai pas de casus belli sur elle. Et merde. Je l'attaquerai pas. Elle va rentrer dans la coa. Moi, je vais l'attaquer en revanche. Ah bah alors. Dans ce cas-là, tu pourras m'emmener. Oui. Non, si je fais ça, elle sera dans la coa et je vais prendre toute la coa avec. Ah oui, enfin, je peux t'appeler après. Bah si tu m'appelles après. Non mais c'est le temps que mon cerveau il travaille. Qui marche dans les deux sens. Quand t'as des idées de génie, t'as besoin des autres pour te les rappeler quoi. Exactement, c'est parce que je suis participatif. Hop là, je veux que vous brilliez vous aussi en société. Qu'est-ce qu'il est chantier. Du coup, je me dirige vers la brillance. Sauf le portugais, lui il peut l'espérer. Insulté. Et voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait ce soir? En fait, on est rivaux maintenant, donc on doit se mettre sur la gueule. Non, moi je l'aime. Moi j'aime le portugais. Bon ouais, c'est pour ça que tu veux pas t'allier avec moi. J'ai trop de relations pour l'instant. Je garantis le Yarkand, le Gujarat et le Malwa. On sait pas pourquoi. Ah non, j'en plus, on n'est plus un rival valable. J'essaierai peut-être de les sortir de... Qui c'est qui a tapé sur le jaune pour? Putain, je vais être obligé de rivaliser le portugais, quoi. Non, mais le jaune pour, il a dû... Il a des institutions de retard par rapport à toi, c'est pour ça. Je sais pas, j'ai toujours un pas... Le commandant nous a quittés. Ah. Il a quand même 106 000 hommes. Bon, il a 4-4 de réserve. Oh, il est mauvais, ce général. Seulement 5 étoiles. Déception. Non, seulement 2. C'est un 1-6-1-1. Il est nul. C'est clair. Quoi, un général vénitien. Voilà, tu un 2-3-3-3. C'est déjà mieux, ça. Moi, je veux bien faire une paix, mais tu l'acceptes. Ah bah voilà, tu vois. Bon, faut que je pense à révoquer mes garanties, parce que sinon, ils vont jamais s'attaquer entre eux. Et s'ils s'attaquent pas entre eux, bah... Ça m'oblige à les garantir tous. Et du coup, toi... Ça plus. T'as quand même 95 de blé, c'est pas mal. Ah, tu le dis. Ah la vache. Denis, c'est retiré de la coalition. Comment je suis étonné. Franchement, c'est pour un OPM indien. Ça va quoi. 95 de balles, c'est déjà pas mal. Non, en général, je prends pas la peine de demander. Hein. Quand c'est en dessous de 1000, pas l'intérêt. Voilà. Je l'ai fait juste dans la guerre avec leur teutonique pour qu'ils puissent avoir quelques miettes. Ça y est, Opol s'est intégré. Si. Et c'est directement dans un état, donc ça me rapporte masse de pognon. Ah, mais Malwa, il est pas dedans, qu'est-ce que je m'emmerde. Ça y est, on a un diplomate. Hop. Voilà, ça se détend tranquillement. Oh, je suis obligé de faire une colonie dans le Nouveau Monde pour pouvoir y placer des mercenaires, quoi. T'es mauvais, Jack. Les gens, Je peux pas en mettre dans mes colonies. Que quand elles sont en cours de construction, a priori. Normalement, le Kazakh, je lui ai rendu le territoire, il fait « Ok, je suis quand même moins rogne contre toi, t'es quand même un mec cool, tout ça. » Comment ça se fait que vous pouvez prendre la France comme rival, sérieux, quoi? Bah, il y a les grandes puissances et les abusé, moins grandes quoi. Puissances. T'es peut-être pas une grande puissance, quoi. Bah, justement, pour moi, il est trop faible. C'est ça le problème. Parce que t'as passé l'institution, c'est pour ça. Non, je l'ai pas passé l'institution. Ouais, c'est que Slan qui l'a passé. Et là, le Teuton et le Venise, ils ont la France comme rival. C'est insupportable. Parce qu'on est voisins. Parce que moi, je suis pas voisin. Ah, faut que je pense à dépenser mes réserves. J'ai pas un bâtiment que je pourrais garder. Vous... Non. Regroupez-vous et qu'est-ce que vous foutez dans une province où vous pouvez pas vous mettre? Cette coalition, elle va finir par péter, oui ou merde? Je crois que c'est merde, hein, mais bon.
Moi, en général, je réponds merde. En principe, c'est collecte tout. Il y a tous les petits bâtards là à côté qui sont dans la quoi. Allez, là, c'est bientôt terminé. T'as bien fait de le dire. Ah, ça s'était peut-être arrêté. Ouais, c'est vrai qu'il est grand temps qu'on s'arrête, t'as raison. J'espère du coup que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur l'une des trois vues. Vous connaissez l'histoire maintenant. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. À plus tout le monde. À bientôt. Bye bye.